Lorsqu'un candidat remporte le vote populaire, cela signifie qu'il a obtenu plus de voix que son adversaire. Mais ce n'est pas ainsi que le président des États-Unis est choisi. Lorsque les pères fondateurs ont mis en place le processus électoral en 1787, ils voulaient équilibrer le pouvoir entre les États et empêcher l'élection de candidats inaptes. Le collège électoral a été créé comme un compromis, agissant comme un tampon entre élection et nomination. Le collège électoral compte actuellement 538 grands électeurs, répartis entre les 50 États américains en fonction de la taille de leur délégation au Congrès, elle-même basée principalement sur la population. La Californie, par exemple, dispose de 54 grands électeurs, tandis que le Wyoming, peu peuplé, n'en a que 3. Pour devenir président, un candidat doit obtenir au moins 270 votes du collège électoral sur 538. 48 États et le district de Columbia appliquent le système du winner takes all, c'est-à-dire que le candidat qui obtient la majorité reçoit tous les votes du collège électoral. Deux États, le Maine et le Nebraska, attribuent certains votes électoraux aux candidats ayant obtenu le plus de voix dans chaque district parlementaire, de sorte que le résultat peut être partagé. Il est possible de devenir président avec moins de votes populaires qu'un autre candidat. Cela s'est produit 5 fois dans l'histoire. Donald Trump est devenu président en 2016, bien qu'il ait obtenu 2,9 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. George W. Bush a remporté la Maison-Blanche en 2000, malgré 540 000 voix de moins qu'Al Gore. Le processus américain d'élection indirecte continue de faire l'objet d'un examen minutieux. Plus de 700 propositions ont été faites pour abolir ou réformer le collège électoral, mais aucune n'a abouti. Nous connaîtrons probablement le nom du prochain président peu après le jour de l'élection, mais les grands électeurs de chaque État ne votent officiellement qu'en décembre. Bien que le processus du collège électoral soit inscrit dans la Constitution, celle-ci ne stipule pas que les grands électeurs doivent voter dans le même sens que les électeurs de l'État. C'est aux États qu'il revient d'en décider. Jusqu'à présent, 90 grands électeurs infidèles ont voté pour un autre candidat à la présidence, mais un seul a voté pour le candidat du parti perdant lors d'une élection serrée. Cela n'a jamais fait basculer une élection, mais souligne l'imprévisibilité et la vulnérabilité des systèmes électoraux américains.